Bonjour à tous. Donc là, je vous propose de faire quoi ce matin? Eh bien, de dessiner ce joli lapin Lindt, on peut dire la marque, hein. Lapin en or, donne envie de croquer. Donc là, on va déjà le dessiner avant de le croquer. Alors, c'est parti. J'essaie de vous le faire en direct. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment, moi, je vais attaquer, vous voyez, ici. Ici, je vais redescendre ici, d'accord? Donc là, vous voyez, il est légèrement bombé là. Hop, je vais attaquer comme ça. Là, vous voyez ses petites oreilles, c'est légèrement comme ça. Donc là, une fois que j'ai fait ici, je vais redescendre légèrement là. D'accord? Ah bah c'est comme si pratiquement c'était décalqué. Ah bah, j'essaie de vous montrer en même temps. Tac. Et après, moi, il faut que j'ai un truc. Ouais. L'idée, donc là, l'idée après, c'est faire quoi? C'est de redescendre là, d'accord, et après on est légèrement courbé, donc là on va aller chercher un petit peu assez loin, ici c'est courbé et légèrement on va faire ça, d'accord, on a pratiquement la même proportion, c'est formidable. Et après, donc là il faut gérer quoi? Bah son œil. Peut-être d'abord on va faire comme si c'était son bout de nez, donc là on va gérer ses moustaches là à peu près. Et son œil, alors là c'est là où il va falloir prendre son temps et être délicat. Ouais, c'est ça important. Et puis là, légèrement, on passe par-dessus. Et là, ils ont fait son ok. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc là, on peut s'amuser aussi. D'ici, on peut partir ici. On va s'arrêter là. On va aller là. Et j'ai vu qu'ils ont mis une petite cloche. Donc on va légèrement faire comme si elle était accrochée, cette petite cloche. Ok. On va lui faire une petite cloche un peu dans ce style là. Et l'ouverture. Ok, donc c'est un peu en perspective. Alors vous pouvez vous amuser voilà, à faire, à marquer ce que vous voulez dessus. Là on peut légèrement s'amuser à faire ça. Tac, ok. Puis après voilà, on a fait vous voyez, la partie. Bon moi je suis en train de être sympa, voir un petit peu son œil. Voilà. Et puis j'ai envie d'y mettre un petit bout de nez, je sais pas pourquoi. Voilà. Ça me donne envie. Alors après vous pouvez vous amuser à faire quoi, un peu de décor. Donc l'herbe, ça c'est facile à faire. Hein. Vous voyez, vous faites ça, 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 ça. Ok. Là, on va essayer de gérer une petite carotte à son bout de nez. Tiens, on va essayer de faire un petit bout de carotte. Ouais, c'est pas très grave, je vais la prendre. La carotte. Et on va dire. Ce sera comme si c'était l'effet de la carotte. Et hop. Toc. Comme s'il croquait sa carotte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire si un soleil, bon, un soleil, l'idée c'est quoi? C'est de faire un rond. Les yeux, comme s'ils regardaient en l'air, petit bout de nez, hop, petite bouche, tac. Et après, hop, vu qu'il va faire très très chaud aujourd'hui en plus encore. Voilà, vous pouvez faire votre ligne d'horizon. Ok, ligne d'horizon, c'est vraiment comme s'il était posé sur quelque chose. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi, des petits oiseaux, tiens. Les petits oiseaux, c'est facile, c'est comme des petits V, on en a un petit peu partout. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo va donner plein d'idées et surtout vous allez pouvoir croquer vos chocolats pour ce week-end. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.